Claude, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, c'est le début de la saison pour Terre Vivante avec votre journée d'ouverture, une petite journée à thème. Vous pouvez un peu nous expliquer ce qui se passe et le programme et les nouveautés de Terre Vivante pour cette année. D'accord. C'est une journée sur le jardin. On invite, on a convié les visiteurs à venir jardiner avec nous. Donc on leur a fait faire ce matin une petite visite de ce que vont être les jardins cette année, puisque pour l'instant c'est encore un peu, ça manque un peu de On est au visiteurs. début. Voilà, et puis là on fait des ateliers avec eux, d'une part des ateliers pour les adultes et d'autre part des ateliers pour les enfants, D'accord. de tout ce qui est les travaux de saison au printemps. Et cette année, pour nous c'est une année un peu spéciale, puisque c'est l'anniversaire des 30 ans de notre magazine Les 4 saisons du jardin bio. Donc on a souhaité que le centre aussi participe à fêter cet anniversaire avec ses visiteurs et avec les abonnés du magazine. Donc les Triévois, cette année, pourront, dès lors qu'ils sont venus une fois, ils paieront une entrée et on leur donnera une carte de fidélité qui leur permettra d'entrer gratuitement tout le reste de la saison. Toutes les journées d'animation, avec une seule exception, celle de la foire au plan bio le 8 mai. Mais pour tout le reste, voilà. D'accord, une Une entrée entrée. égale une carte de fidélité pour la saison, pour fêter ensemble les 4 saisons. Grand événement quand même. Bah, si c'est sympa, si ça leur plaît, peut-être qu'on continuera D'accord. face à tous les ans. Ok. Bon, merci beaucoup et puis on se retrouve dans le centre. Durant cette journée, les participants ont pu apprendre ou réviser à travers un parcours interactif les pratiques de jardinage au contact de jardiniers professionnels et spécialisés dans la culture bio. Bien entendu, se détendre dans un cadre exceptionnel voué intégralement à la nature propre. Thank you.
montrerai les œuvres de Marjolaine Camus, artiste du Trièves spécialisée dans la création écologique sur matériaux naturels tels que le sable, la chaux, le verre et la pierre.